Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyanskoubon. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. En dessous de cette vidéo, c'est tout. S'abonner, cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu veille sur nous tous les jours de notre vie. Et que le Seigneur lui-même nous aide à accepter tous ses commandements. Et à comprendre que tout ce que Dieu nous a donné comme instruction, comme les choses bonnes à faire, sont vraiment bonnes à faire pour nous, sont bonnes, sont des choses qui vont nous aider. Toutes ces choses sont bonnes. Mes frères et sœurs, c'est très important de savoir ça. Hey! Hey, mes frères et sœurs! Hey! En général, je vais vous poser une question, dites-moi. En général, les hommes sont attirés par quel genre de femmes? Dites-moi. Aujourd'hui, là, je vais voir beaucoup de réactions de cette vidéo. Dites-moi. Les hommes sont attirés par quel genre de femmes? En général. En général, hein? Dites-moi. Dites-moi. Par les femmes sexy, mes frères et sœurs. Par les femmes sexy, les hommes, tous les hommes, sont attirés par les femmes sexy. Tous les hommes sont attirés donc par les femmes sexy. Hey! Voici que un homme, il sera tout simplement attiré par une femme. Et cette femme-là était sexy. Tout simplement. Vous ne pouvez pas entrer dans les détails. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait quelque chose ici, il y avait quelque chose de l'autre côté. Non. On va vous dire directement ce que c'était. Cette femme-là était attirée, et cet homme-là, il était attiré par cette femme sexy et il s'est mis avec elle. Veux-tu être ma copine? Elle, il lui pose la question. Veux-tu être ma copine? Puisque je t'ai vu, tu es attirante et que tu ressembles à la lune, le soleil qui brille en plein jour. Veux-tu être ma copine? Elle, si en ce moment, elle n'a pas de copain. Elle dit, oui, ah. Ok, on va se mettre ensemble, un an ils sont ensemble, un an, ils sont toujours ensemble, hein. Un an c'est beaucoup mieux pour cette terre parce qu'un mois déjà il y a beaucoup qui quittent là, un an ils sont ensemble, là ils se connaissent bien maintenant, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, là maintenant on parle plus de sexy, le pouvoir de sensualité de la femme là, ça a maintenant diminué maintenant. Ça a diminué. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez comprendre tout de suite. Voici que le monsieur et le mari et la fille, la femme, le copain et copine, hein, ils vont sortir. Quand ils vont sortir là, vous savez ce qu'ils vont voir? Arrivé au supermarché, elle lui a demandé de lui faire visiter un endroit où on achète les vêtements pour femmes. Vous savez que dans les endroits où il y a des vêtements pour femmes là, forcément il y a d'autres femmes là-bas. Ou bien, mais elle va tomber sur des femmes qui ne sont pas ordinaires. Vous allez comprendre ça tout de suite. Et les femmes, quand il faut entrer dans l'endroit, pendant qu'elle sera en train de se changer les vêtements là, son mari sera tout de suite attiré et même captivé d'une manière bizarre là. Pas une autre femme. Il sera là comme ça. Parce qu'il a du mal à croire que c'est possible qu'il existe d'une telle beauté une femme encore plus sexy que sa femme. C'est même pas sa femme, que sa copine. Hey! C'est même pas sa femme, hein? On parle de copine. Peut-être dans le cas des femmes, ça peut arriver aussi. Hey. Et voici que il va être séduit par cette femme. Peut-être que sa femme est dans le magasin là. Elle a été décrite. Chérie, il ne répond pas. Chérie, il ne répond pas. Chérie, il ne répond pas. Elle sort. Elle voit une autre femme qui est abaissée comme ça. Et qui est en quoi? Vous connaissez, hein? En vêtements, le vêtement sexy des femmes là. La même chose, mes frères et sœurs. La même chose.
Hey! Quand elle a vu ça là, elle allait prendre un pagne pour venir attacher les reins de la femme qui est là-bas là. Ah ma soeur, toi aussi faut bien t'habiller! Vous savez ce qu'elle a dit? Ah ma soeur, toi aussi faut bien t'habiller! C'est qu'elle m'a dit s'habiller ça là. Faut même vous donner même pas bon les états pour femme. Hey! Toi aujourd'hui, tu dis que les femmes ne donnent pas bon les états pour femmes? Hein? Hein? Ah bon? Pourquoi? Parce que tu as vu qu'elle est plus sexy que toi. C'est parce que tu voulais être sexy, non? Tu voulais jouer au jeu de sexy. Tu as trouvé maintenant quelqu'un qui est plus sexy que toi, qui est en train de séduire qui? Ton propre mari. Ou bien ton copain. Quand le Seigneur vous disait, quand le Seigneur nous disait de ne pas nous attacher à tout ce qui est dans le monde là. En disant, oh, Dieu ne veut pas qu'on vive bien. Dieu ne voulait pas que tu vives bien, non? Dieu, c'est quand le Seigneur te disait de bien t'habiller là, tu dis non, Dieu ne veut pas que tu t'habilles bien. Dieu ne veut pas que tu t'habilles bien. C'est ce que tu disais. Aujourd'hui là, voici, tu as trouvé une femme qui s'habille mal. Et puis toi-même là, c'est toi maintenant, tu lui dis, faut bien t'habiller. C'est-à-dire là maintenant là, tu rejoins Dieu. C'est-à-dire, quand ça t'arrange, tu rejoins Dieu maintenant. Parce que tu as vu qu'elle est plus sexy que toi. Et tu es choqué. Et ça, et le mari, il est toujours concentré, hein, tellement il est hypnotisé. C'est pourquoi? Tout ça là, c'est pour hypnotiser. C'est comme quand la fille a sa bille sexy là. C'est pour jeter un charme, un sort sur la personne, sur les gens. C'est pour les attirer. C'est, le poids de séduction là, c'est comme la sorcellerie. C'est comme un sort. Et il est bloqué là comme ça. Il a dit son esprit, il a oublié même sa femme. Il a oublié même le premier jour, il a rencontré sa femme qui était sexy aussi. Ou sa copine qui était sexy. Vous voyez un peu où ça va? Vous voyez un peu où ça va? Toi, ma soeur qui regarde la vidéo, tu vas dire, oh, ça peut arriver, hein? Mais ça arrive tous les jours, à 100%. À 100%. Et même ce que nous sommes en train de vous raconter là, c'est pas faux, hein? Dis-moi, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Bon, toi le garçon qui me regarde là, dis-moi. Est-ce que tu ne serais pas attiré par une telle femme? Si tu es attiré par les femmes qui sont sexy, laissez-moi vous dire la vérité aujourd'hui. Hein? Si vous êtes attiré par l'apparence des femmes, là, vous n'allez jamais cesser d'être attiré dans votre vie. Toutes les femmes qui vont passer là, vous serez toujours tenté, ne serait-ce que de les regarder seulement. Regardez quoi? Les fesses, ou encore les seins, ou en tout cas les choses que vous aimez. Et si le diable sait ça, vous êtes cuit. Il va toujours envoyer les femmes comme ça devant vous, pour vous compliquer la vie. Mais toi, vous les femmes, vous comprenez aujourd'hui que ce n'est que vous vous habillez mal. Ce n'est plus à Dieu que vous faites tort. Hein? Vous ne désobéissez pas seulement à la parole de Dieu. Mais aussi, vous vous compliquez vous-même la vie. Parce que vous allez voir que vos camarades vont s'habiller de façon bizarre. Ce jour-là, vous serez les premiers à leur dire, il faut bien t'habiller. Habillez-vous bien aujourd'hui. Habillez-vous bien. Ah, ce jour-là, toi qui t'habillais de façon sexy, qui disait que la parole de Dieu n'était pas vraie, et que rien ce que bon te disait de n'importe quoi là, c'est ce jour-là, ce sera toi-même qui va prêcher l'évangile. Au travers de quoi? Ton comportement. Ah, faut bien t'habiller. Ah, faut bien t'habiller. Ah, elle va bien s'habiller aujourd'hui. Toi, mon frère, qui est dans ces choses, sors de ces choses. Laisse-toi attirer uniquement par les femmes qui te présentent la beauté intérieure. Parce que l'apparence là, ou encore la beauté physique est éphémère. Tout ça, ça va disparaître, mes frères et sœurs. Ça va disparaître. Alors, cherchons Dieu d'abord. Et laissons-nous guider par Dieu dans nos choix de la femme. Parce que le choix de la femme est toujours difficile. Si tu es toujours attiré par les gens de femmes qui brillent, qui sont sexy, tu vas un jour tomber sur une femme sur laquelle tu n'as même pas envie de tomber. La sirène elle-même sera devant toi et tu seras bloqué. La sirène a attiré les regards des yeux de cet homme et sa femme s'est fâchée.
Abonnez-vous à Jésus de cette vidéo, activez la cloche de ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo qui va sans doute nous intéresser. Soyez prêts pour la prochaine vidéo qui va être tout simplement très intéressant et qui va sans doute vous étonner. À bientôt. Merci pour que Dieu vous bénisse.